Salut les gens, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait depuis mercredi je crois. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale puisque je vais vous parler un peu des news Dofus que vous ne les loupiez pas parce que ce week-end elles sont plutôt importantes, vous allez voir. Enfin il y en a une plus importante que les autres, vous allez voir, ça risque d'être cool. On est parti donc. Alors on est sur le site Dofus. Alors attendez, avant de parler de ça, dans la description vous retrouvez le lien d'une nouvelle chaîne, c'est ma chaîne, ça s'appelle 60 en fait, 60 comme 60 secondes, 60, 60, yeah, 60 en fait, et dessus il y a une nouvelle vidéo qui s'appelle Effrayante histoire du métro londonien, je vous mets le lien dans la description, allez voir, si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est mon ancienne chaîne en fait, DJ Onyx, mais allez dessus et abonnez-vous si ça vous plaît, et je pense que ça peut vous plaire parce que là comme vous voyez il n'y a que des bons retours. Je vous laisse checker, il y a même Sneaky, très bon concept, par contre 60 ça dure 3 minutes, voilà, Noctem, Minosar, il y a Mallory, etc. Il y a vraiment des bons retours, ça fait plaisir, même Pierre m'a dit du bien et tout, enfin Minity, donc il y a vraiment, allez voir, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre les prochaines vidéos de 60. Donc, on est de retour sur Dofus, voilà, le sujet est clos. Donc, il y a trois news, enfin il y a plutôt deux news que je juge importantes, celle-là moi elle ne m'intéresse pas. C'est surtout ces deux-là qui sont vachement cool. On va commencer par celle-là, donc dans l'ordre de date. Alors, la news s'appelle Clash of Guilds. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez, si vous n'êtes pas au courant, il va y avoir un film Dofus qui sort, je crois que c'est soit fin de cette année, soit l'année prochaine. Il y avait eu un trailer qui s'appelait Judas, qui était sorti. Donc il sortira en salle de cinéma, hein. C'est un film d'animation made in Ankama, et donc dans l'univers de Dofus. Et Ankama vous propose quelque chose de juste super bien. Ils vont proposer en fait à 9 guildes de pouvoir apparaître dans le film. Avec leur personnage, leur blason, leur pseudo et tout. Et je trouve ça juste génial. Alors, on va lire un peu. Dans quelques jours, un jeu concours vous fera entrer dans la postérité. Si vous le gagnez, bien sûr. Ça ne sera pas vous contre le reste du monde, ce sera vous et votre guilde contre le reste du monde. Vous devrez être créatif, combatif, inventif, etc. pour pouvoir apparaître dans le long métrage Dofus. Donc pour ça, avant de vous lancer dans la bataille, une phase d'inscription de 2 semaines vous laissera le temps de vous rassembler, donc pour que votre guilde puisse s'inscrire. Il n'y a que les bras droits et les meneurs qui peuvent inscrire la guilde, c'est sur eux que tout repose, c'est inscrit dans la news. Donc là, ce sera en fait un concours que je trouve génial, parce que ce ne sera pas qu'un truc simple en fait. Pour vous départager, on vous prévoit des activités multiples qui testeront vos capacités d'organisation en groupe. Donc que vous ayez une guilde de niveau 10 ou une guilde de niveau 200, vous avez toutes vos chances. Si vous arrivez à être un groupe solide, solidaire, et que vous avez tout ce que... Enfin, en fait, votre niveau, c'est pas forcément ultra important. Parce que par exemple, ils vous demanderont peut-être des trucs créativité, je pense qu'ils vous demanderont des trucs artistiques, ou... Enfin, vraiment... Comme l'a dit Xiel ici, là, voilà, c'est ça qui m'a fait tilter. Il y a quelqu'un qui a dit les petites guildes qui pensent avoir une chance, haha, et Xiel qui veut répondre, ça sera le cas. Donc, à mon avis, toutes les guildes ont votre chance. Donc, si vous souhaitez apparaître dans la légende, et comme ils le disent ici, précisons-le, on ne vous parle pas d'une simple mention écrite dans la partie remerciement du film. Non, on vous parle de scénettes créées tout spécialement pour vous et votre guilde dans le générique, où votre blason et votre nom de guilde apparaîtront. Oui. Donc, vous avez 9 guildes qui seront mises en avant. Et tout le monde saura que votre guilde est dans ce film, puisqu'il passera au cinéma. Et je trouve ça juste génialissime quand Kamel fasse ça. Voilà, fallait que je revienne dessus. Je trouve ça vachement sympa de leur part. Et voilà, c'est cool. Donc, on va ensuite switcher sur la nouvelle news, et celle-là est plus importante. Enfin, non. Techniquement, elle n'est pas plus importante, mais elle est plus urgente. Ce week-end, donc les 18 et 19 avril, donc ce samedi, là il est minuit 20, donc à partir d'aujourd'hui en fait, et jusqu'à demain soir, vous pouvez récupérer le bouclier dragon cochon si vous tuez le dragon cochon ce week-end. C'était un peu comme ils avaient fait avec le Wabbit il y a de ça à peu près 3-4 mois. Maintenant c'est le dragon cochon, c'est un bouclier unique, donc très clairement, n'hésitez pas à aller le tuer, hein, donc aujourd'hui et demain, et vous allez avoir ça. Ensuite, le tome Dofus, les larmes turquoises et sorcies. Si vous l'achetez sur Ankama Shop, vous avez une émote. Donc, je crois que c'est. Ça s'appelle. Attends, je l'ai lu quelque part. Oui, colère de Bolgrot. Donc, ça ressemble plus ou moins à ça. Bon, ça n'a pas l'air ouf, mais je pense que vu que c'est un dragon, le grotte est un dragon, ça peut être sympa. Je ne sais pas à quoi ressemble le jeu, mais ça peut être sympa. Mais voilà, c'était surtout le décès qui était urgent, qui était à pas louper parce que bah, ça se coupe pas ce genre de choses. Et puis voilà, tout simplement. Bon, on va se mettre en grand.
YOLO, bon les gens, donc c'était un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et que toujours le linge qui est en mode galère derrière. Je vous dis à très bientôt et pour une nouvelle vidéo, pas ce dimanche parce que là, en fait, là je vous ai tourné la vidéo le vendredi soir avant de partir, mais je suis pas chez moi du tout ce week-end. La vidéo arrive à partir de lundi, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Et puis voilà, et oui, j'ai plus de barbe, mon dieu, ça fait trop bizarre, je peux plus. Avant, je pouvais faire ça et tout, et non, je peux plus. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt, c'est Next, ciao. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne 60, hein. Ok? Ciao les bros. Ciao. Ciao. Bon, je coupe vraiment.